lycée même, ils ont demandé aux jeunes, si vous voulez prendre les ordinateurs autour là, nous allons brûler les lycées. Il y a certaines choses, moi, je ne peux pas l'accepter. Ils sont en train de fouilleter les sœurs. Quand on fouillette une sœur là, c'est comme si on est en train de te poignarder. Si tu peux faire quelque chose, tu vas réagir. La corruption a gangréné le pays. Et c'est dû à la corruption que le Mali même est comme ça aujourd'hui. Les djihadistes sont rentrés, la façon dont ils sont rentrés, c'est parce que les chefs étaient corrompus. Ils n'ont pas voulu faire ce qu'ils doivent faire. Et ils se sont tenus secrets vis-à-vis de la population du Mali. C'est eux qui ont créé ça. La panique, la peur, le mal qui nous est eu, c'est nos dirigeants corrompus qui ont causé ça. Et si ce n'est la France, je te dis que j'allais mourir parce que moi, ma femme, tu ne vas pas la toucher, je te tue et tu me tues. C'est à moi. Ok, ce n'est pas parce que j'aime trop ma femme, mais ça n'a rien dit quoi.